não é. É, e ali, essa ó, próxima, vamos entrar pra lá. Duas. Exato. Ali é a sequência da. Oi, moça! Essa aqui é a Castelo Branco, é? Não, senhor, essa aqui é a Rua do Sesc. Lá na frente tem aquele Rua do Sesc. Como que é o lift? Não. Ça va, on a fait aucune fausse manœuvre. On est dans les temps et on sait où on est. Là, on vient d'arriver à Goiânia après 2 heures de route. Donc là, on va rencontrer Sœur Louise. Vous êtes Sœur Louise? Oui. Oui, enchantée, oui. C'est Thierry Souvestre, c'est moi. Je m'appelle Suzanne. Suzanne? En religion. D'accord, donc on vous appelle Suzanne? Oui, Suzanne. Vous nous montrez le chemin? C'est par là? Oui. Oui. Vous parlez pas beaucoup français avec des Français? Il y en a pas? Non, elle n'aime pas parler français. Alors. Pourquoi je suis venu? C'est dans un premier temps pour vous connaître, mais surtout pour garder ce lien entre l'ambassade de France, étant donné que vous êtes française et les Français qui sont à l'étranger. Il y en a donc, 250, il paraît. 250 Français? Oui. Non, on est au Brésil, on est à 20 000 à peu près. Français? Français, il y en a beaucoup. 20 000? Oui. 20 000 Français. Merci beaucoup de nous avoir reçus. Et merci d'être venu. Je reviendrai. Pas mieux qu'une sonnette. Vous êtes ambassadeur? Non, pas ambassadeur, je suis responsable pour les affaires sociales. Alors vous êtes venu me voir pour quelle raison? Pour, dans un premier temps, pour vous connaître, surtout. Ah, pour me connaître. Étant donné que moi, je suis nouveau à l'ambassade. Je suis né à Madagascar. Et après, nous sommes allés à Saigon. À Saigon? Saigon. C'est une Française qui vit à Goiânia depuis de nombreuses années et qui est une dame qui reçoit une allocation solidarité. Toute la structure, elle est abîmée, hein. On voit, il y a des failles un peu de partout. Une grosse faille aussi. Au revoir. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt. Journée chargée hier avec la rencontre. Ses conditions de vie, comment vit-elle? Comment est-elle logée? Alors, elle vit toute seule. Elle a 3 enfants, mais qui ne viennent pas la voir. C'est une dame qui est vraiment isolée. Il y a la belle-fille qui vient une fois par mois pour lui faire ses achats. Et en plus de son état de santé, je me suis rendu compte en arrivant là-bas que c'est pas que le toit qui a un problème. C'est toute la maison, la partie structurelle de la maison. Il faut trouver des solutions. Il faut que la famille fasse un effort. Hein, le code civil nous donne des obligations en ce qui concerne nos parents. Même si on s'est fâché avec sa mère ou son père, quand les situations extrêmes arrivent, il faut collaborer. Et c'est un peu à nous, non pas de nous substituer, nous n'avons pas à nous mêler de la vie privée de nos compatriotes, mais c'est un petit peu à nous de donner le là. C'est un métier, mais c'est aussi une mission que nous avons. Nous l'accomplissons avec enthousiasme. Et surtout beaucoup de cœur, c'est ça qu'il faut, du cœur. Et à chaque jour, on a une nouvelle histoire à raconter, on a une nouvelle procédure à suivre. On a un sentiment d'efficacité. Il faut savoir qu'on est là en tant que représentation française. Et il y a des personnes qui viennent nous demander de l'aide. Toutes ces personnes-là, que ce soit pour des raisons personnelles positives ou parce qu'elles ont fait des choses qu'il ne fallait pas, on est là pour ces personnes aussi. Nous, on a l'impression, quand on est en France ou ailleurs, que les Français qui sont à l'étranger, ils ont un cadre de vie qui est assez agréable, qu'ils ont de l'argent pour pouvoir s'acheter des choses. Mais en réalité, ce que je me suis rendu compte, c'est qu'il y a beaucoup de Français qui sont en difficulté ici au Brésil. Et c'est très important pour eux qu'on soit là pour pouvoir les aider d'une façon ou d'une autre. Juste pour faire un point sur les dossiers, pour que je te dise. Le cas de Laetitia, ce ne sera pas une demande de bourse pour l'année prochaine, puisqu'elle est en CM2 cette année, elle part dans le système brésilien. Mm-hmm.
mais j'encouragerai une demande d'aide à l'enfance pour elle, pour qu'elle puisse continuer sa scolarité dans de bonnes conditions l'année prochaine, parce que sa mère n'aura pas les moyens de payer une école privée. D'accord, donc je note, je vais reprendre son dossier de bourse. Voilà, on pourra passer la voir éventuellement un peu plus tard chez elle. D'accord. J'ai posé la question par rapport à l'insécurité dans la rue parce que c'est des petites ruelles et elle me dit qu'il y a beaucoup de problèmes avec la consommation de drogue dans la rue, donc c'est une des raisons pour lesquelles elle choisit de partir d'ici parce que c'est pas bien pour les enfants de regarder ça et c'est très souvent en fait, donc on se balade dans la journée, dans la nuit encore pire. Il y a des gens qui se droguent tout le temps dans la rue. C'est vraiment une situation délicate, quoi. C'est pas du flan, c'est des gens qui sont à la limite de la pauvreté et qui luttent pour s'en sortir, quoi. C'est-à-dire à partir du moment où on sollicite une bourse, il faut pouvoir ouvrir sa vie aux autres, son intimité, accepter de parler de difficultés éventuelles, même si c'est des choses un peu difficiles, des choses qu'on n'a pas envie de forcément de montrer, des difficultés dans des couples, des difficultés financières. C'est à nous de leur montrer qu'il n'y a pas de jugement là du tout, qu'on est là pour les aider et qu'au contraire, il faut qu'ils nous fassent confiance, que c'est quelque chose qui ne sera pas... qui est d'abord tenu secret dans une commission, c'est-à-dire que les informations ne filtrent pas. Elle est là. Il y a un verre aussi, ça fait. Il y a un chef en prime. Je demande de renouveler votre carte d'identité. D'accord. C'est quelque chose qui manque et c'est une femme qui règle avec demain. Je passerai à Laurie. Et tu as tout ton matériel pour travailler. Voilà, tout est là. Bien travaillé. On avait bien oublié. Non. Tout est là.